Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h sur cette magnifique vue de dingue. J'espère que vous allez tous très bien, toutes et tous. 19e épisode de Sons of the Forest, très content de vous retrouver dans la maison, j'allais dire quasiment terminée. Alors non, elle n'est pas du tout quasiment terminée, mais en tout cas pour ce qui est du rez-de-chaussée, cet étage, on est déjà beaucoup plus tranquille. Alors, beaucoup plus tranquille, oui et non, parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas vu et ça me gonfle. Et j'espère vraiment que ce sera patché. C'est que les monstres passent toujours à travers les murs. J'ai un cannibale qui est passé. Voilà, bah peut-être qu'il va le faire, hein, on va voir. Mais voilà, il y a un cannibale qui est capable, par exemple, de traverser ce mur-là. J'avais un cannibale à l'intérieur de la base. Et ça c'est terrible. Regardez, il est là. À tous les coups, il va apparaître. Bref. Bon attendez, on va juste s'occuper de son compte avant de commencer cet épisode. Et la neige du coup a fondu. Et ça c'est dingue. Également une nouveauté du patch dont je n'avais pas fait part dans le dernier épisode, mais que j'ai découvert aujourd'hui, c'est qu'il y a des totems. Alors j'ai dû détruire celui-là. Voilà, vous voyez ce totem là, c'est pas moi qui l'ai fait hein, clairement. Voilà, ce totem là c'est les indigènes qui l'ont placé. Donc maintenant la nouveauté c'est que les indigènes vont placer des totems autour de ton habitation. Hop, ça dégage. Voilà, en gros, pour montrer leur présence, pour montrer leur mécontentement, les indigènes peuvent du coup placer des trucs. Regardez, il vient de passer à travers. Voilà. Voilà ce que je vous expliquais. Voilà ce que j'expliquais. Donc là, il est bloqué, il est à l'intérieur de ma base. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, il est à l'intérieur de ma base et il n'est pas rentré par la porte. Il s'est juste bloqué dans le mur en plus, ce con. Alors, tu vas me dire, c'est pratique parce qu'au moins on a pu le décapiter. Mais concrètement, voilà, vous avez capté que ça va être un petit peu terrible. Alors voilà ce que j'ai fait, un petit coin cuisine. C'est plutôt sympa. Le petit cheminée en coin, chose que j'avais toujours rêvé dans la précédente base. Mais on avait dit que c'était pas trop possible parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce que c'était pas ouf. Donc là au moins ça rend super bien. Voilà, avec le petit banc. Franchement je suis super content. Hop, est-ce qu'on peut brûler dans la cheminée les cadavres? Je ne sais plus. Non, on peut pas. Dommage. Ah si, on peut. Si, si, tout à fait. La maison va prendre feu, mais c'est parfait. Donc voilà, on a vraiment une hauteur sous plafond qui est super cool. Je suis trop heureux. Et puis du coup, j'avais fait un petit toit, mais du coup, qui sert plus à rien ici. Mais c'était quand il y avait de la neige, pour pas que la neige rentre à l'intérieur de la maison. Donc voilà, je suis trop content de la base. Il est où, Kelvin? Ah putain, il est encore là-bas. Il coupe encore du bois? Non, je pense qu'il est posé, tout simplement. Virginia, elle est là-bas. Très bien, on sait pas trop ce qu'ils font. Bon les amis, 11h20, jour numéro 41. Merci à tous pour vos commentaires. Et merci en particulier, alors je ne sais plus ton pseudo malheureusement, mais pour la cinématique. Donc dans le c'est là-bas le bunker à nourriture. La nouvelle cinématique, c'est là où il y a les mini-boss. J'aurais dû aller en profondeur. Donc on va y aller, voilà, je sais qu'on a déjà fait ça dans le dernier épisode, mais c'est pas grave, parce que là ça nous fait un beau petit voyage. Voilà, on va voler, ça va être super, super cool. Et le retour, je vous l'épargnerai. Sauf si j'arrive à faire ma technique. Parce que en regardant le précédent épisode, je me suis rendu compte que je me suis pris comme une bite pour m'envoler. Où sont les os? Ils sont où les os là? What? Ah, ils sont là, putain. Je me suis pris comme un zizi en fait pour faire ma technique pour voler. Voilà, je m'en suis rendu compte. Attends, comment on fait armure d'os? Ah, voilà. Je me disais que j'avais foiré un truc dans mon craft. Donc voilà, bref, dans tous les cas, on va décoller et on va aller voir cette nouvelle cinématique. J'espère juste qu'on va pas se retaper les boss, parce que bah, on se les est déjà tapés hein, précédemment. Donc ce serait bien de pas se les refaire. Je pense pas. Bon, on verra de toute façon hein, comme dit, on est là pour l'aventure. Et d'ailleurs je suis full. Voilà, comme ça va faire régler. Eh bien écoutez, on va pouvoir y aller. Du coup, ce qu'on va faire aussi, je pense, aujourd'hui, quand on reviendra, et je pense que ça va être une priorité, ça va être de faire de la protection tout autour des murs, là. On va mettre des murs défensifs, on va mettre des barrières juste là tout autour, pour être sûr que personne traverse la maison tout au moins, parce que c'est vraiment terrible. Ça va, ma puce. Superbe. Allez, on y va, les amis. Hop, direction le point vert avec la maison. Zébardi, let's go, zanzazion, zanzazionnel. Du coup les amis, petit point sur ma vie. Pour ceux qui s'en foutent, désolé. Mais je vous invite à m'envoyer de la force.
Puisque... Eh, j'avais jamais vu ça. Si, ces campements en bas là. Oh, faudra qu'on y passe. J'avais vu le village derrière, mais j'avais pas vu le campement. Oh, là aussi un campement. Eh, on passe à côté de pas mal de choses là, hein. Le deltaplane, c'est génial. Le deltaplane, on arrive à voir tout ce qu'on veut voir. Oui, en fait, aujourd'hui, je passe mon tout dernier examen. Alors, vous ne savez pas officiellement ce que je fais dans la vie. Mais à l'heure où la vidéo sortira, je reviendrai d'examen. Donc, peut-être soit j'aurai réussi, soit j'aurai pas réussi. Donc, je. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des bonnes ondes. Je l'espère, je l'espère. Vous ne savez pas encore, mais un jour, vous saurez probablement. Sûrement. Mais voilà. Inch'Allah. Pourquoi du coup je suis en train de faire une boucle là, c'est trop bizarre. J'espère juste que je vais réussir. Normalement il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Là je parle bien du delta, oula je bégaye. Je parle bien du deltaplane. Mais mon examen également, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Alors bonjour. Bon ici on est déjà passé par là, hein. Pas de problème à ce niveau là. Justement. Ah c'est vraiment génial le deltaplane, hein. Ok, c'est ici. C'est ici que tout commence. Hop, on va pouvoir piquer. Ah, c'est ici. Je me suis enflammé. J'ai un petit peu du mal encore, hein. Ah, c'est ici là, les rochers là. Hop. Attends, on est d'accord, je viens de redécoller là. Je ne sais pas, je crois que j'ai fait une technique de dingue. Hop, on est arrivé à bon port. Et on rentre à nouveau dans la grotte. Et cette fois-ci on va s'aventurer jusqu'au bout. En espérant encore une fois qu'on va pas affronter les boss. On les a déjà affrontés, il n'y a pas de raison. Mais je sais pas pourquoi. Si ça a été réinitialisé, je la sens pas trop cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On connaît la façon que ça a été fait tout ça. Et donc quand ils réinitialisent en général, il y a tout qui réapparaît. Mais voilà, moi je suis pas prêt, hein. J'ai pas pris de stuff de ouf là, hein. J'ai même plus le fusil à pompe, c'est Virginia qui l'a. Les carreaux d'arbalète, je crois que j'en ai une ou deux, hein, parce que j'ai tout usé contre les autres là. Enfin bref. Donc, on est dans le bunker de nourriture. Toi-même, tu sais. On peut récupérer de nouveau à manger, ça tombe bien, ça c'est quand même cheaté. Mais voilà, j'ai faim, donc on va en profiter du bon petit riz là. Mmh. Voilà, des bons petits cornflakes également, toujours des céréales, hein, c'est très important. À boire. Ah mais il y a des carreaux d'arbalète ici, c'est parfait. Eh ben c'est super. Attendez, y'a pas à boire là? Non? Dommage. Eh ben je vais boire. Ouais mais là c'est chiant, j'ai que deux trucs de soda, j'ai pas envie d'user. Oh non, j'ai pas rempli mes gourdes. Oh, je suis une zgig. Je suis une zgig. Ouais, c'est une nouvelle expression que je viens d'inventer en direct. Bon bah c'est pas grave, allez on y va. Bon de toute façon ce sera vite vu si ça respawn ou pas. Déjà est-ce qu'il y a des... Je trouve que je... Je suis vachement confiant quand même, hein. Si jamais ça ripop là je suis dans la merde, hein. Alors attends, normalement il y a des carreaux d'arbalète là, voilà, parfait. Bon, y a pas l'air d'avoir le gros mutant qui nous attend là, attends. Hop. Non, ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air ok. Là, je récupère un max de carreaux là. T'as intérêt à te tenir à carreaux. Hop. Bon les ampoules, ah oui faudra que j'en mette, hein, dans la base, hein. Oh oui, hein, ça va être... Mais notre maison, je suis trop content. Et je suis trop content de vos commentaires également là. Ça me fait trop plaisir. On va faire une villa mon pote, mais incroyable, hein. Vraiment, hein. Allez on y arrive. J'ai un petit peu peur, je vais pas te mentir. Ah mais je peux boire l'eau là, c'est bon. Même si elle est pas bonne, je peux boire l'eau là. Donc parfait. Alors c'est par ici. Ok. Bien le bonsoir. Ok, la porte est déjà ouverte. Donc si la porte est déjà ouverte, ça n'a pas été réinitialisé. Et donc si ça n'a pas été réinitialisé. Eh c'est nouveau la lumière là. Eh c'est nouveau ça. Déjà ça c'est nouveau la lumière. Il n'y avait pas la lumière avant. On va juste retourner ici, comme ça on peut récupérer des trucs. Il y a peut-être à boire, qui sait. Ou même des nouvelles choses, hein, qui sait. Donc là on revoit toujours le même truc.
Je pense que là, il n'y a rien qui va changer en soi. Là, tout a été consommé. Là, ça, c'est parfait. Des munitions de balles. Bon, ça, j'avais déjà récupéré. Voilà, emplacement. À boire, voilà. Parfait. Parfait, parfait. J'ai bien fait de venir ici. Voilà, rien de nouveau. Wesh, la chaise, elle m'a fait peur. Allez, on y va. J'ai hâte. Si ça... bon, alors, c'est peut-être pas non plus incroyable, hein. C'est juste une nouvelle cinématique, hein. Qu'on se le dise. Mais c'est peut-être incroyable aussi. Déjà, la lumière, comme dit. Ça, c'est nouveau. Là-bas, je vois des gens, en fait, hein. Là-bas, il y a des gens. Mais non! Mais non! Oh non! Non, non, c'est un supplice! Ah bah c'était sûr ça en fait! Oh putain, je suis mort! J'ai un fusil mais j'ai plus de balles, je m'en souviens! Tac, 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 tac! Allez, j'ai un revolver à la limite! Oh putain! Hasta la vista, baby! Oh, j'ai mis toutes mes balles à côté, j'ai plus de balles. Allez, superbe, ça part. Bon bah c'est cool. C'est trop cool. J'ai pas de fusil à pompe, j'ai rien. C'est formidable. Bon les amis, merci à tous. Putain mais c'est pas vrai. J'ai la tronçonneuse à la limite. Voilà. Oh, je vais shooter sa gueule. Elle évite les coups la salope hein. Bon ça marche pas de ouf. Allez on va tenter la grenade. Aïe. Ouais bonjour. Ah ça c'est beau ça. Oh comment je l'ai eu lui. Attends hein. Ça va bien se passer vraiment hein. Ça va bien se passer. Là, maintenant. C'est pas grave. Opération kamikaze. Ensuite, médicaments. Eh, non mais c'est incroyable ce qui se passe. C'était pas prévu hein, quand même hein. Je vais remettre mon armure effrayante un petit peu là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Mais c'est de la merde. Arrête. Ok, bon, la tronçonneuse, on peut oublier. La tronçonneuse, on peut oublier. J'ai encore de l'armure. Trois armures d'os, hein, c'est... Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Arrête. Allez, viens voir. Arrête. Voilà. Oh, il est mort. Parfait. Touché. C'est toi le chat. Ok. Ok, viens voir. Touché. Ah, ah. Non. Non. Pas cool. Pas cool du tout ça. Ok, j'ai plus d'armure. J'ai plus d'armure, j'ai plus d'os. Si j'ai des os. Attends, j'ai encore des os. Mais pourquoi je peux plus? Ah. Ok. Ok, c'est déjà pas mal. Une armure. On dit pas non, hein. Deux armures. Allez, une troisième, s'il te plaît. Oh, dommage. Ah. Touché. Ah. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Oh, purée. Oh, je vous ai fumé. Oh, je suis heureux. C'était pas prévu. Eh, les gars, est-ce que je suis pas... Incroyable. Ah, ça, ça fait plaisir. Là, je voulais pas mourir. Donc, voilà, c'était ça, la fameuse nouvelle cinématique.
plutôt pas mal. Et alors ce qui est assez amusant, c'est là qu'on voit que les développeurs se sont peut-être un peu chiés dessus pour être honnête, parce que souvenez-vous, lors de la saison 1, on avait ces fameux 3 personnes, c'était 3 plongeurs. Attends, on va arrêter la musique là parce que bon, voilà, c'est bien mignon. Il y avait ces 3 plongeurs ici durant la saison 1. Quand on rentrait dans la salle, on les voyait brièvement tomber de manière un peu buggée. Et ensuite, on les voyait plus là, la saison 2, là, qu'on a fait il y a 3 épisodes de cela, les mini-boss là. On les voyait plus. Et là maintenant, depuis qu'il y a de nouveau la cinématique, et ben maintenant on les revoit tomber. Donc je pense que c'était prévu, etc. et que ce soit un petit peu chié. Voilà, c'est incroyable. Eh ben on a réussi, tout ça pour ça, bah c'est chouette. Voilà, bah on en a un petit peu chié. Je vais quand même remettre de l'armure sur moi parce que je sais pas qu'est-ce qui nous attend pour après. Et du coup, on va plonger. Peut-être qu'on va voir les plongeurs. Attendez. Est-ce qu'on peut trouver les plongeurs là? Dans l'eau éventuellement? Non? Qui sont ces plongeurs d'ailleurs? C'est une bonne question. Bah je vois pas de plongeurs en tout cas. Là c'est là qu'on sortira. Il y a de la lumière là-haut. C'est quoi la lumière là-haut? Ah bah c'est juste un reflet. Bon bah je vois pas de plongeurs, hein. Ils ont disparu. Disparu. Bon bah on va continuer. J'espère juste que les cannibales n'ont pas respawn. Si tel est le cas, eh ben je vais rush. Parce qu'en vrai, j'ai pas que ça à faire. Et on les a déjà fait. Donc il s'agirait de pas exagérer des bonnes choses. Mais je pense pas qu'ils aient respawn en vrai. Le doute m'habite. Allez, fais de la lumière là. Putain, on voit de moins en moins bien là. Pourquoi on voit rien là? Pourquoi on voit rien? Ouais, excusez-moi, mais là je vois rien du tout, je sais pas pourquoi. Alors je préfère faire ça. C'est toujours sympa. Ok. Alors je me permets de... On en profite parce que de toute façon j'ai des fusées éclairantes à la base. Ok. Non, ça m'a l'air ok, hein. Ça m'a l'air ok. On a la sortie de grotte ici, je crois. Hein? Même pas. Même pas. Y'a des drôles de bruit. Ah, moi je suis pas rassuré, hein. Bon, y'a pas de nouveauté en tout cas par ici, c'est parfait. On peut ressortir, mais je pense qu'il fait nuit. Je pense. Pas du tout, il fait jour. Très bien. Ah, il y a des drôles de bruit. On va enlever. Oh, il faut que je mette la tête d'élan aussi à la base. Bon, on va faire plein de trucs à notre base là maintenant. J'aimerais enlever ma truc là. C'est pas vrai? Elle est où ma tenue là? Là, voilà. Enlève la lumière. Enlève la lumière. Mets la carte. On est où là? Ok. Bah, j'aurais bien aimé récupérer mon deltaplane, j'avoue. Mais on va pas récupérer le deltaplane. On va remonter à pied. Je vais vous faire de temps en temps des ellipses ou pas, parce que visiblement ça m'a l'air d'être assez animé. Et en fait on va passer par les endroits qu'on a vu par-dessus le deltaplane. Donc il y avait un village abandonné. Enfin un village abandonné, qu'est-ce que je raconte? Non mais là il y a des bruits de ouf. Mais là je suis... Mais il y a des ennemis partout, frère, j'ai jamais vu ça. Mais comment ça? J'ai jamais vu ça. Bref, un campement, voilà, un campement. Il y avait un campement, il y avait voilà des tentes, etc. Des tentes, des oncles, enfin toute la famille quoi. On va y aller. Si jamais il se passe rien, coupure. Si jamais il se passe des trucs, pas coupure. Le problème c'est qu'en deltaplane tu vois un rayon assez grand. Et là j'avoue je sais pas où c'est précisément, par là où on est passé. C'est peut-être plus à gauche. Ah, attendez, je vois une sorte de petite plaine. Il y a de l'eau là. Ouais c'est bien là, c'est bon.
Je vois les bâches. Donc voilà, on a notre premier premier spot à check. À checker, hein. Le verbe checker en anglais, bien sûr, ce ne sont pas des checks. Voilà, des cultes encore, bien sûr. Et on récupère. You will find meaning in life again. Oh yeah. Très bien. Merci à tous, c'est bon, j'ai vu. J'ai bien vu, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que dalle. De la merde. Et un peu plus haut, on a un campement. Par contre, là, le soleil va se coucher. C'est pas le meilleur endroit pour dormir, hein. On va quand même se prendre des petits sticks au cas où. Je sais pas si j'en ai. Si, impossible de porter plus de bâtons. Donc j'en ai déjà sur moi. Alors, ça c'est un village. Hein. C'est clairement pas par là que je voulais aller moi. Ah, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller tout droit direction la maison. C'est par là qu'on devrait trouver le campement. Oui, j'entends la musique. Parfait. Parfait. C'est ici. Alors, vite la musique. On a à boire. Encore à boire. Panneau solaire, je suis full. Y'a vraiment rien d'autre à récupérer là ? Par contre, ce qui est bon à savoir, c'est qu'à côté de chez nous... Oh, un monocycle. À côté de chez nous, on a des panneaux solaires à l'infini. Et ça, c'est cool. Ah, Virginia, bonjour. Maintenant, faut que... Attention, Virginia. Maintenant, faut que j'arrive à monter à ma base avec le monocycle. Ce serait parfait. Mais c'est pas gagné. Ok, c'est par là. Je vais peut-être longer par la droite. Ok, ça devrait aller. Comme ça au moins on a le monocycle là-haut. Pareil, hein, comme dit, on fera un garage, hein, je le rappelle. J'avais oublié en vrai, mais voilà, on fera un garage là-haut. Vraiment, on a la place. Clairement, on a la place pour faire un petit peu ce qu'on veut. Et je pense qu'on arrivera avant la tombée de la nuit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ah ok, c'est bon, c'est là, c'est bon, j'ai trouvé le... J'étais un petit peu perdu. Mais dès que tu vois ces deux collines là, côte à côte, avec cette montée ici, avec le petit étang en bas, tu sais que c'est là qu'il y a ma base. Et c'est juste parfait. Et on rentre bel et bien à la maison avant la tombée de la nuit. Donc ça, ça fait plaisir. Avec justement... ah bah le coucher de soleil, les gars. Oh oui, ah oui, faut que je vous le montre, vite. Dépêche-toi. Vous devez voir le coucher de soleil, comment il est magnifique. Vite, 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 sors. Ok, regardez-moi ça. Bon, attends, je vais mettre dans la base. Ok, je vais mettre en haut. Voilà, que vous compreniez un petit peu l'idée. Ah merde, je me suis fait arnaquer là. Faudrait couper les arbres en fait. Non, 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 attendez. Normalement, il n'y a même pas besoin de couper les arbres. Parce que là, il est quelle heure? Là, il est que 17h49. Ah non, si, c'est pas une blague. Mais non. Ah oui, regardez, le soleil est déjà en train de... Ne me dis pas, mais c'est trop bien fait. C'est en fonction des saisons. Bah oui, le soleil il est pas au même endroit, la planète elle est pas au même endroit en fonction des saisons. C'est pour ça, parce que en fait en plein été normalement, ou alors c'était en automne du coup quand je suis arrivé là, oui c'était en automne que je suis arrivé là. Le coucher de soleil c'était là, vous voyez l'aiguille de mon GPS, l'antenne, c'était ici qu'il y avait le coucher, et le lever il était là. Alors on va voir, on va dormir et on va voir. Bon du coup là normalement on va rater le lever du soleil, mais allez bonne nuit. Merci à tous. Alors attends, on va juste boire... Bon désolé, une boisson énergisante dès le matin. Faut qu'on se prépare un vrai truc là, hein. On va se préparer des vrais festins, parce que là ça va être compliqué sinon. Ah ouais non voilà. Bah là vous voyez, le lever du soleil c'est derrière la montagne, hein, quasiment, hein. Mais oui en fait ça dépend des saisons. Alors je me suis un peu fait arnaquer, voilà, hein. Je vous le dis, je me suis peut-être fait un petit peu arnaquer. Donc vivement l'automne de nouveau. Mais ouais, à l'automne on a vraiment un beau lever de soleil. À moins que c'est en s'avançant là. Mais non, ça change rien. Ça change rien, ouais, le soleil il est là, donc c'est derrière la montagne. Et en fait, ça se décale en fonction des saisons. Enfin bref, c'est magnifique du coup, c'est super cool. Ok, du coup, de retour à la base. De retour à la base, j'ai des trucs qui sont périmés. Voilà, tout à fait, donc on va les prendre et on va les jeter directement. Hop, jeter et jeter. Ça, raw, c'est cru, ok.
Bah tu sais quoi, on va tout faire cuire. Et on va étendre quand ce sera cuit. Et on va en manger une. Hop, hop, et hop. Parfait. On va se préparer du bois de chauffage. On va se préparer à boire également. Voilà, on va se mettre un maximum bien. On va faire des défenses autour de la maison pour éviter que les monstres passent à travers. Là, je parle pas de faire des grosses murailles défensives, mais juste des défenses par rapport à la maison elle-même. Qu'est-ce que je voulais encore faire? J'ai oublié. Ça fait déjà pas mal, hein. Ça fait déjà pas mal. J'aimerais bien que Kelvin arrive. Ouais, il arrive, c'est bon. Kelvin arrive, ça. Cooked, cooked, cooked. Voilà, parfait. Comme ça. Non, tu sais quoi, tout ce qui est cuit, je vais mettre là pour le moment. Une. Deux. Voilà. Et là, je vais manger celle-là pour moi. Comme ça, Kelvin, il va me pêcher des poissons dans le petit étang. Et je me pose la question d'ailleurs. Si on met un piège à poissons là-dedans. Parce qu'en vrai, c'est un jeu. Bah déjà, est-ce qu'il y a des poissons? Normalement, il peut y avoir des poissons. Que dalle. Il n'y a pas de poissons, je me suis enflammé. Ouais, je suis un peu teubé, ouais. Je suis un peu teubé, j'avoue. Bon, Calvin. Oh, Virginia, bah du coup, t'as quoi pour moi? Des plantes. Superbe. Oui. Merci, c'est gentil. Hop là. Du coup, parlons peu, parlons bien. Alors, j'ai remarqué, c'est pas une blague. Je sais pas si c'est un bug, mais les monstres passent en priorité là, ici, là. Donc, en priorité, je vais mettre des structures défensives ici. Genre comme ça. Comme ça. Je sais pas comment je vais les incliner, hein. Là ça va être vraiment la bonne question. On va bien se débrouiller. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Sérieux lui? Comme ça. Ok. Et après on ira à l'ancienne base pour récupérer le collecteur d'eau, etc. Parce que je pense qu'il va pleuvoir bientôt. Donc c'est l'occasion parfaite pour avoir de l'eau. Hop. Hop. Mais pourquoi? Voilà, ce sera déjà pas mal. Pour commencer, on verra déjà si c'est efficace. Est-ce que je peux me mettre derrière? Ah, superbe, ça marche pas. Est-ce que je peux le faire à l'intérieur de la base? Ça serait pas mal. Ah, je peux, je peux. Ok, je peux. Alors attends. Ah! Oh putain, ça va me saouler. Ah ouais, d'accord. Bon, du coup, changement de plan. Changement de plan, c'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire? On va. T'es sérieux là? On va faire des barrières. Des barrières électriques. Tant pis. Au moins, ce sera déjà bien plus tranquille. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Alors attends. Tac. Tac. On verra déjà si c'est efficace ou pas, hein. J'ai cette sorcellerie. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Putain, mais j'ai des bâtons à l'infini ou... Si seulement. Si seulement j'avais des bâtons à l'infini. Attends, il m'en reste combien, frère? Ah bah il en reste plus qu'un. Parfait, il me faut des pierres là pour renforcer tout ça. Donc en priorité ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Bon, il y a des pierres ici et là, évidemment. Tac, je ramasse rapidement pour juste consolider comme il le faut. On va déjà pouvoir électrifier tout ça. D'ailleurs, attends, nouveauté, le panneau solaire, maintenant on peut le placer au sol, je crois, hein. Oui, tout à fait. Le panneau solaire, on peut le placer au sol maintenant. Ça, c'est aussi la nouveauté du patch. Donc, temporairement, je vais le mettre au sol. Oh, c'est superbe. Ah, mais il y a déjà une batterie. 100 volts. Mais non, je te jure, c'est incroyable.
Donc là j'imagine ça va réduire dans 100 volts. Ah bah là il n'y a pas assez. Non, c'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'elle me fait? Eh, Virginie, elle a compris que je veux des cailloux. C'est quoi ce bruit? Ouais, en gros, faut des batteries et tout plus performantes, je pense. Après, c'est un mini panneau solaire, je pense aussi là. Donc, c'est peut-être pas évident. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Là, je me sens vraiment con. Tiens, je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Et du coup, ce que je voulais faire aussi, c'est remplir la casserole d'eau pour en faire de l'eau potable. Oh, il y a des grenouilles! Il y a des grenouilles! Des crapauds! C'est incroyable. Attends, si je te demande de pêcher du poisson. Ah, ça marche pas, hein. Ramène. Ah, tu peux pas pêcher du poisson puisqu'il n'y a pas de poisson. D'accord, ok. Ok, ah, c'est rigolo. Bon bah fais une pause. Ouais, du coup nous on va aller à l'ancienne base récupérer collecteur d'eau etc. Du coup mais est-ce que ça marche ou pas là l'électricité? Non ça marche pas. Y a pas assez de patates. Alors comment faire? Est-ce qu'il faudrait mettre un deuxième panneau solaire? Et là remettre du fil? Ouah, ça marche super bien. Et bah voilà. Par contre ça fait un sale bruit hein. Mais au moins on sait que ça marche. Ça sert à rien de vouloir se faire électrocuter, ça fonctionne. Ok c'est chouette. Eh ben, Kelvin il fait sa petite pause. Très bien. Eh ben, quel défi. C'est une galère cette nouvelle façon de faire l'électricité. Mais c'est chouette. C'est vachement réaliste, c'est super cool. On va juste placer tout de suite un collecteur d'eau parce que je vais récupérer les carapaces. On va tout de suite mettre un collecteur d'eau. Je sais plus comment on fait bordel. Utilitaire. Ah voilà ici. Hop, collecteur d'eau. On va mettre ça du coup parfaitement ici. Oh, c'est pas droit, ça me stresse. Eh ben j'ai pas le choix. Hop, voilà. Et puis un nichoir. Également, on va mettre un nichoir. Nichoir qu'on va pouvoir mettre. Pour le moment hein, à l'entrée. Mais c'est temporaire. Voilà. Et attendez, bougez pas. Bougez pas. Alors c'est où les décorations? Oui non c'était là. Dans un c'est les pièges. Alors c'est dans meubles. Vous savez très bien ce que je vais faire. Voilà. Hop. Ah il me faudrait juste un petit bâton là. Je vais le faire maintenant avant de partir. Il me faudrait juste un petit bâton. S'il vous plaît, messieurs, dames. Un bâton. Genre, y a pas de bâton. Non, là, par contre, il faudrait pas non plus se foutre de moi. Hein. Wesh, les bruits. Ah, ils ont ajouté des nouveaux bruits. Hein. C'est très discret, très léger. Mais c'est bien présent. Hein. Et on est bien, là, en vrai. Hein. C'est un cadre idyllique. Hein. Je suis heureux, j'enlèverai les troncs d'arbres également un maximum. Hop. Voilà, et là maintenant, la tête d'élan mon pote, je peux te dire, ça va faire des ravages. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Allez, direction l'ancienne base, on va récupérer un maximum de choses. On aurait pu faire... Ah mais je suis con, oh là là, on peut pas partir maintenant, il faut qu'on fasse un meuble et tout pour déjà mettre des trucs. Ah le con quoi. Bon c'est temporaire hein, ce que je vais faire. Où c'est qu'on fait les meubles? Ah étagère. Voilà c'est temporaire hein. Par contre ça va me demander c'est chiant. Je vais mettre ça là en attendant. Il me faut quoi là? Deux trucs de mes couilles là. Ah putain c'est chiant. J'aurais dû anticiper Bon j'ai deux bûches qui m'attendent ici. C'est déjà pas mal hein. Est-ce que ça suffirait? Voilà, Virginia vient de passer à travers. Tu vois, donc là c'est pas bon. Oh! Oh la chance!
Oh, j'ai de la chance. Et par contre, là d'ailleurs, ça me fait du bois de chauffage, ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Et ouais, mon pote. Là, ça me fait du bois de chauffage. Mais du coup, je peux pas mettre encore. Parfait. Parfait, parfait. J'ai de la chance. Donc, je vais pouvoir mettre toutes les cochonneries, les médicaments. Parce que du coup, je vais récupérer un maximum de choses à la précédente base. Sinon, ça sert à rien de faire tout ce chemin. Voilà, toujours aussi long. Hop. Et on refera des vrais rangements. Enfin, ça va être vraiment cool. Voilà, c'est surtout les médicaments que je vais mettre là. Voilà. Pareil. Pour ça. Bon, les sneakers, oui, si, on va les mettre là. 6, 5. Je rêverais que ce soit plus rapide. Hein. Là, je spam clique, hein, les gars. Un petit patch là où il nous corrige ce truc, ce serait vraiment chouette. Bon, ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. C'est parfait. Ah, peut-être les armures d'os encore que je vais mettre là. Et les peaux d'animal. Voilà. Oh, le feu vient de s'éteindre. Parfait. Donc là. Là, je crois qu'il faut que je mette un stick que je n'ai pas. Allez! C'est bon, j'en ai marre. On y va, les amis. Direction la base. L'ancienne base, bien sûr. On va prendre le deltaplane. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir revenir en deltaplane, puisque c'est comme ça que j'ai fait pour venir ici à la base. Et ça, c'est chouette. Et ça, ça n'a pas de prix. En tout cas, j'espère que vous kiffez cet épisode. Vraiment, moi, je me régale et c'est un plaisir. Vous pourrez pas me suivre, hein, les enfants. Je suis désolé. Hein. Allez, c'est parti, sensation. Donc, on passe par ici. Et on va tout droit, globalement. Avec cette vue de dingue. Ça permet de voir si on n'a pas loupé des trucs encore. Mais bon, avec toutes les fois où on est passé, je pense pas qu'on ait loupé grand chose. Là, il y a une grande étendue à la limite. Ça, t'as des spots comme ça où il n'y a rien, il n'y a que du vide. Ah, il y a encore des tentes là. Non, j'ai rêvé. J'ai confondu des arbres. Des arbres oranges. Allez, on y arrive, je sais pas quand. Ah, c'est encore derrière. Oula, est-ce que je vais avoir assez? Si j'ai pas assez, on fera ma technique. Vous avez vu, je me déporte à droite automatiquement, c'est trop bien fait. Allez, je descends. Et je remonte. Voilà, et là tout de suite ça marche un petit peu mieux. Vous voyez, c'est à gauche maintenant la base. What the fuck? Je comprends plus rien. Ah, mais attendez, c'est pas aligné avec le GPS, les gars. Le GPS, il me dit que l'étang il est à droite. What? C'est quoi ce bug? Ok. Bah là, je suis bien au-dessus. Trop bizarre. Trop bizarre. De retour, du coup. Ça rappelle les souvenirs. Est-ce que. Oh, je suis trop con. J'aurais dû laisser les panneaux solaires à la base. Comme ça, j'aurais récupéré ceux-là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là. Oh, dommage. Oh là. Oh là. Mais c'est qu'il y a du monde là maintenant. Ah ouais. D'accord. Bon. Assez parlé. Collecteur d'eau. Bah parfait, d'ailleurs je vais en profiter pour boire et pour remplir ma gourde avant de récupérer l'eau. Voilà, c'est la petite technique. Hop. Voilà, comme ça j'aurai tout vidé, mais au moins j'aurai tout rempli également. Comme ça, dans ma gourde, j'ai de l'eau propre à 100%. Non, pas encore à 100%. Hop. Voilà, on va remplir à 100%, je vous ai dit. Impeccable. Voilà. Et là, l'eau, elle est sale, mais je vais la faire bouillir, donc ce sera propre. J'ai une radio, c'est incroyable. Incroyable. Hey, les Jones! Bon bah je viens de découvrir un truc. Je viens de découvrir un truc, c'est incroyable. Mais ça fait partie d'un des derniers patchs en plus, hein.
C'est vraiment formidable. Alors attends, il faut juste que je casse. Voilà, et que je récupère. J'ai pas récupéré la carapace là? Non. J'ai pas récupéré la carapace de tortue. Voilà, j'ai trop le seum. C'est abusé. Genre, tu récupères pas la carapace. Bon, ben voilà, on l'a dans l'os. On l'a dans l'os. Qu'est-ce qu'on peut récupérer là? Tout ça, c'est périmé, non? Bon, les médocs, je prends. Les boissons, je prends. Les conserves, je prends. Je suis full, très bien. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Voilà. J'ai foutu un sacré bordel, hein. Les armures effrayantes ici, là. Je prends. Ah, je prends tout, hein. Vraiment, je m'auto-dévalise. Hein, si déjà. Là, je vais manger le petit poisson. Bon, ce qui est par terre, c'est pas grave. Hein. Ah, on a pété. Ah. Bah, c'était pas bon. Là, j'ai rien d'autre à récupérer. Mais je vais. Est-ce que je peux récupérer? Non, je suis full en ampoule. Je vais juste récupérer les ficelles. Moi, j'ai foutu un sacré bordel là. Dans l'électricité. Oups. Mais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh non. Ouais, je vais juste récupérer un maximum de fil. Voilà, donc du coup, bon là c'est plus électrique, mais c'est pas grave, on habite plus là. Voilà, et est-ce que j'ai des trucs à récupérer? Oh, attends déjà. Voilà, merci. Merci. Ah! Alors, vous allez pas me casser la tête, vous, hein. Ça, je préfère vous le dire. Oh, plus il est mort. Là, on a des os qu'on peut récupérer. Donc, je vais en profiter pour faire des armures encore. Même si je suis sûrement full. Non, c'est bon. Putain, ils font ces bruits, c'est incroyable, hein. Ça me fait penser à quelque chose, mais je préfère pas le dire. Très, très, très bizarre. Bon, là, on a du bois de chauffage. Et je crois qu'ici, on avait déjà tout récupéré. Et de toute façon, on va pas tout casser, quoi. Ça fait des souvenirs. Ouais, j'avais tout récupéré. Par contre, là, comme il n'y a plus d'électricité, on fuck les ampoules. Mais c'est juste histoire de récupérer les fils. Si c'était possible. Attends. Oh, merde. Ok. Impossible de récupérer le fil. Allez, va te faire foutre. J'en ai chié en plus pour les placer ces fils, donc bon. Oula. Oula. On va se détendre des gens, hein. Bon, je vais les laisser, hein, voilà. Bon, on n'aura pas récupéré grand chose parce que je suis déçu. Je pensais qu'on pouvait récupérer la carapace de tortue. Moi c'était ça que je voulais, c'était la carapace de tortue. Donc en fait va falloir retourner à la plage. Bon alors regardez la technique. Tu descends et tu remontes. Ok. Tu redescends et tu remontes. Putain, pourquoi je vais pas y arriver là? Ça a été patché, c'est obligé. Non si, ça a l'air de marcher là. Tu descends et tu remontes. Ok, c'est bon, ça marche. Là déjà je suis quand même plus haut de là où on a décollé. Faut vraiment être patient en fait en faisant cette technique. Tu descends et tu remontes. Voilà, t'as compris? Bah du coup autant en profiter. Et on va aller à la plage la plus proche. Et on va récupérer une carapace de tortue les amis. Parce que sinon on va jamais s'en sortir au niveau boisson. Même si on a oui c'est vrai qu'on a un étang à côté de nous, mais bon quand même. Bon allez, je tente. Ça passe. Ça passe crème. Allez, direction la plage. On récupère une carapace de tortue. Et puis on pourra rentrer à la base. Et puis s'en arrêter là, hein, concrètement, voilà. Ce sera déjà pas mal. On aura bien géré. On aura fait pas mal de belles petites choses aujourd'hui. Ah, le delta plane, c'est quand même génial, hein. Quand t'arrives à t'en servir, c'est quand même génial. Wouhou. Et on pourrait même aller récupérer de nouveau le pistolet là-bas. Non, on va pas le faire.
C'est même pas cette plage que je voulais aller, mais c'est, ça marche très bien. Vous avez vu, j'ai redécollé de ouf là. Hop. Allez, c'est la 8ème fois qu'on vient ici. Ah, je suis mort. C'est la 8ème fois qu'on vient ici. Mais au moins. Wesh, tu m'as fait peur. Mais au moins, on récupère des trucs. Putain, mais c'est vrai que les mouettes, on en a pas à notre base malheureusement. Ah, mais on a des oiseaux. Hop, de la nourriture. Et des plumes. Et des huîtres. Ah, je récupère les huîtres. J'adore les huîtres, les gars. Hop, on se fait de la nourriture, un max. Comme ça, on ramène à la base tout ce qu'il nous faut. Et on n'est pas juste venu pour des carapaces. Hein. Voilà. Là-dedans, on a quoi? Ok, des blocs de C4. Maintenant, il me faut des petites tortues. Ah, et puis il me faut des munitions aussi de. Putain, j'ai plus de. Là, il y a une tortue là. Attends, bouge pas. La tortue, elle est en train de se barrer, mon pote. Lance artisanale. Ah, mais il y a plusieurs tortues, c'est bon. Monsieur, bonjour. Oh. Voilà. Ah, elle voulait pas, hein, la coquine. Hein. Ah, elle a une tête solide. Hein. Elle a une tête solide. Ok, la carapace pour Bibi. Je l'ai récupéré ou non? Oui, c'est bon, je l'ai. Parfait, c'est horrible. C'est horriblement bien fait. Très bien. On a ce qu'il nous faut. Mais là, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à décoller. C'est même plus haut que la base là où on a décollé. Donc, allez, on va faire la technique. On va essayer de rentrer à la base. Si jamais je vous fais une ellipse, c'est que j'ai pas réussi. Et si vous voyez toute la scène, c'est que je vais tout simplement gérer. Voilà, alors il faut quand même réussir à monter. Hein. Ça, c'est quand même assez. Assez cocasse. J'avais pas prévu ce truc là. C'est que je ne peux pas monter comme je veux. Superbe. Là, les souvenirs n'empêchent hein, de repasser par ici. C'est. Dire que c'est là qu'on avait vraiment commencé l'aventure. Casse pas les couilles. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'on tente de là? Comme ça au moins si on se loupe on peut recommencer d'ici. Allez go. On descend bien. Et on monte bien. Oh purée, là on a eu chaud au kiki. Mais vous l'avez vu, ça fonctionne. Tu vois, faut être patient et ça fonctionne quoi. Je sais pas pourquoi j'avais foiré dans le dernier épisode. En fait dans le dernier épisode j'avais plus l'habitude. Et j'étais impatient en fait. Je voulais y arriver très rapidement. Alors que là, vous voyez, en faisant simplement... Ouah, la mouette! En faisant simplement des allers-retours, voilà. Voilà à la hauteur que je suis. Je suis déjà plus haut que tout ce que j'ai fait dans le dernier épisode. Tu vois? C'est quand même formidable. Regardez-moi ça, quoi. Donc là, on peut clairement faire le tour de la map, hein, si on veut. Sans aucun problème, quoi. Et on va essayer de rentrer à la base. Je vois la montagne de notre base, je crois, là-bas. Ah, là, j'ai foiré, tu vois. Alors, attends. On va tenter un coup de maître. Voilà. Ça, c'est beau, ça, ce que je viens de faire. Ça, c'est beau, ça. Allez, on va essayer de suivre le cours d'eau. Allez, s'il te plaît, j'y arrive. Ah, j'ai l'impression que ça marche pas de ouf comme ça. Hein. À cause des arbres, on se fait. En fait, c'est les arbres le problème. C'est même pas le, c'est pas le terrain, c'est les arbres. Là, je peux pas faire ma technique. Ah, là, je peux en soi. Ok. Ah, je suis assez limité. Parce que si vous aviez vu. L'accéléré du début d'épisode, du dernier épisode, je veux dire. Il n'y avait pas d'arbre quand je refaisais la technique. Alors attends, il y a moyen quand même de gruger là. Wouah! On a chaud au kiki là. Allez, on en profite ici. Allez, ça part. Ça part, c'est bon, t'as vu? Bien, t'as vu?
Faut juste trouver les bons spots pour faire le truc. Genre là maintenant, ici là. Et pas se planter. Magnifique. Ah, et notre base je crois elle est tout là-haut là en face. Ouais, c'est, je vois là, les, là où il y a un trou, là où il y a des arbres et il y a un trou. Bah, notre base elle est là-haut. Voilà. Et là, normalement, je devrais y arriver. Oh purée. Oh là, on a eu chaud. On a eu chaud au kiki là. On a eu chaud au kiki. Ah, je suis content de vous proposer ça, les amis. Enfin, j'y arrive devant vous. C'est une technique à prendre en main. Je sais pas si, quand ce sera dispo sur console, je sais pas si vous serez capable de le faire sur console. Mais voilà, c'est bon à savoir. Voilà, on voit notre maison, magnifique demeure. Alors, la vraie question c'est est-ce qu'on va réussir. Bon, au pire on va prendre mon chemin hein. C'est pas bien gênant. Là on est clairement arrivé. Et hop. Et voilà. Par contre, je reprends mon delta plan. En tout cas, voilà les amis, on est de retour à la base. J'en profite en passant à récupérer des petites pierres. Je suis full, ça y est. Regardez notre maison comme elle est belle. Oh là là. Enfin, elle est belle alors qu'elle est même pas encore... C'est juste un bloc pour le moment. Mais ça va être vraiment, vraiment magnifique. Hop, on va mettre le delta plan ici. Du coup, le collecteur d'eau, on perd pas de temps au cas où il pleut. Voilà, comme ça, on est prêt. Le petit nichoir, bah, j'ai pas assez de sticks. On va faire chauffer du coup. Bah non, mais du coup j'ai plus de sticks. Toujours pas. Il me refaut des sticks et ça c'est terrible. Bon, Calvin n'est pas là, évidemment. Il a voulu me suivre le bug. Donc là on va récupérer des sticks. Plouf. Donc la pierre, je suis full. On va récupérer donc des petits bouts de bois. Comme ça, on va refaire du feu, du bois de chauffage. Et on va faire bouillir l'eau de la casserole. Et comme ça on sera vraiment bien niveau haut avant la prochaine pluie. Et il faut qu'on se fasse du coup des protections pour la base. Parce que vous avez vu Virginia par exemple, comme dit, elle a réussi à traverser la maison alors qu'on a mis des clôtures électriques. Ça c'est un vrai problème en fait hein. Je comprends pas comment ça se fait que les monstres rentrent. Ça me plaît pas du tout cette histoire. Bon, je vais quand même mettre les pierres par principe. Même si manifestement ça ne sert à rien. Voilà. Tac. Du coup, petit stick. Non. Voilà, parfait, magnifique, ça, c'est magnifique. On fait chauffer. Enfin, on fait chauffer. On met le feu et on met la casserole. Elle est là. Alors ça c'est gênant. Ah bah c'est bon. Eau sale. Mais non. Voilà. Parfait. Putain, on va y arriver. On va y arriver. Alors on va mettre des petites ampoules etc. On va voir comment on va se débrouiller. J'ai 10 fils. Très bien. J'ai pas mal. Ce qui est pas mal aussi c'est qu'on va pouvoir... Mais attends, autant ne pas... Est-ce que vous pensez que ça va bien éclairer si je mets tout en haut? Parce que autant ne pas se prendre la tête. Vu qu'on a une hauteur sur plafond et que j'ai pas encore de toit en haut, je peux mettre les panneaux solaires directement en haut pour le moment. Alors là, c'est le milieu de la base, ici. Ouais. Bon, le mieux déjà, c'est d'en mettre un là. Ok. Hop, une ampoule ici. Et... une là. Ah. Ah, c'est gênant. Ah. C'est gênant. Voilà. Les petits panneaux solaires. J'en ai plus que deux. Est-ce que ça va marcher d'ailleurs ce que je suis en train de faire là? Oh purée. Bon, toi normalement tu me feras rien de la outer hein.
Bah tu sais quoi, en attendant je vais mettre en plein milieu là, en pointant le soleil. Il est où le soleil? Plutôt en pointant comme ça. Et là normalement, tac. Est-ce que ça passe à travers? Ouais. Parfait. Et l'autre? Est-ce que ça a marché? Attends. Hop, je verrouille, hein. J'arrive pas à allumer. Ah, mais c'est vert. Ah oui, c'est nouveau maintenant. C'est vert, donc c'est bon. C'est vert, donc c'est bon. Et donc, quand il fera nuit... Bon, ce sera vite vu. Wesh. Quand il fera nuit, là, normalement, les lumières vont s'allumer. Là, c'est le temps que ça recharge. Ok. Bon, toi, je vais te fumer la gueule, toi. T'as rien à faire chez moi. Hop. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Jean-Louis? Voilà, j'aimerais bien que Virginia vienne, hein, parce que j'ai besoin d'armes. Hein. Ok, je lui ai mis 3 carreaux d'arbalète. 4. Et il est mort. Voilà, 4 carreaux, ça suffit. Les petits bébés, j'ai la flemme, donc hop. Allez, j'ai tiré à côté, ça fait plaisir. Voilà, et 2-1. Et le deuxième. Et voilà le travail. Quel bonheur. C'est un bonheur ce jeu. Ah. Ah. Voilà. Foutez-moi la paix. Alors rendez-moi mes carreaux. Excusez-moi si je parle pas trop. Vous avez très bien compris que quand je parle pas trop, c'est j'essaie d'analyser s'il y a des méchants ou pas autour. Donc forcément, parce que quand je parle, je m'entends parler. Et vous aussi, donc forcément, je fais en sorte de pouvoir tout entendre. Tiens, je vais récupérer les pierres ici, là. Parfait. Donc on va se quitter bientôt, les amis. Mais d'abord, j'aimerais voir, évidemment, la lumière s'allumer quand il fera nuit. Si ça fonctionne, ce serait vraiment, vraiment, vraiment chouette. Oh! Attendez, mais c'est bon, là, au fait. On va éviter de faire cramer... Voilà, l'eau propre a été récupérée, c'est parfait. Ouais, donc du coup, est-ce que c'est efficace? Je sais pas trop. Si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Après là, je pense que comme j'ai pas fini la barrière, peut-être qu'ils passent derrière comme ça. Oui, voilà, et là ils arrivent à passer à travers. Mais c'est ça en fait, je devrais les accoler au mur. Je vais voir ça, les amis. Je pense qu'en off, je vais me prendre le temps. 77. Ah oui, ça baisse. Vu qu'il n'y a plus d'énergie. Donc en fait, la nuit, tout est permis. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on trouve des batteries. Et voilà. Des batteries externes. Mais bref, en off, là, je vais me prendre la tête. Je vais essayer de coller ça au mur. Et peut-être qu'on réparera le problème. Qui sait. Et par devant, je mettrai des trucs pointeurs. Enfin, on va voir. Alors quand je dis des pointeurs, je parle pas de Norman. Je parle bien de... Pardon. Je parle bien des piquets qui seront orientés et qui feront des dégâts, quoi. Voilà, les amis. Alors, est-ce que la lumière va s'allumer? Good questions. 49 volts. C'est pas volts, hein, c'est watts, hein, bien sûr. Hein. Je suis vraiment une bite. Voilà, est-ce que j'arrive à allumer de là? Non. Non, mais je pense que ça va s'allumer automatiquement. Je n'ai pas la moindre idée. Attends, est-ce que je vais réussir? Non, je vais pas réussir mon parcours. Ah, j'ai fait des techniques, les gars, pour pouvoir mettre les murs en haut, je vous jure, c'est terrible. Là, normalement... Oh, putain, dommage. Si je passe par là, voilà. Là, ça passe. Est-ce que j'accède? Non, j'accède pas. Par contre, l'autre, je peux accéder. Attendez, bougez pas. Voilà. Ah, il faut quand même que j'active, quoi. Bon, ben... Ouais. Voilà, quoi. Bon, bref. Allez, les amis. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu sur ce coucher de soleil derrière les arbres. C'était Mkolo, plein de bisous et à très vite. Ciao tout le monde! Ah ouais, non mais là c'est craignos.